Yo l'ami, c'est le NL officiel, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Dopi Papillon qui s'est moqué de Maro. Voilà. Parce qu'on connaît tous Maro, celui qui a chanté Allo Police. Donc qu'est-ce qui s'est réellement passé? Si vous voulez savoir, je vous incite à regarder la vidéo entièrement et on se retrouve tout à l'heure. Donc pour ceux qui suivent un peu l'actualité, il y a de cela, je pense qu'il y a quelques mois, Maro avait été invité sur le plateau de Pi Polémique, voilà, et on lui a demandé qu'est-ce qu'il pensait de Dopi Papillon. Il a répondu comme quoi que c'était le griot du Maïmoun, voilà. Papillon, oui, Dopi Papillon, les chanteurs. Enfin, qui? Dopi Papillon. C'est mes chanteurs. Ah bon? Qu'est-ce qu'il est alors? Peut-être c'est un griot de l'air au moment là. Quel mouvement? Ah, le Maïmoun des enfants, c'est ça? Voilà, peut-être c'est le griot. Mais il a une très belle chanson, Tcheba Tcheba, avec 3XD et tout. Moi, je ne le considère pas comme un artiste. Hein. Attends, Namoué Mulet, là, il est griot. Ah, apparemment. À l'instant, Dopi Papillon n'a pas réagi. Mais aujourd'hui, les propos de Maro ont fait surface. Il a répondu. Et c'est dans une de ses stories WhatsApp que un média ivoirien détient qu'on a pu voir la réponse de Dopi Papillon. Il y a une vidéo Maro a postée sur son compte où on peut l'apercevoir en live en train de chanter. Je pense que c'est un son qu'il était en train d'interpréter. Dopi Papillon a reposté cette vidéo disant, je cite, donc toi, si c'est pas remis, tu sais pas chanter. Et puis c'est toi qui dis les gens sont griots. On continue avec. C'est là il a combiné. Voilà, il a continué avec une autre vidéo. Il a dit que Maro allait faire les remix jusqu'à ce qu'il commence à lui le chercher. Du genre, il va se rallier. X jusqu'à 3 chercheurs de griots. C'est toujours bien fait. À chanter jusqu'à un moment, toi-même, tu as cherché le griot. Tu vas faire remix. Remix jusqu'à 3 chercheurs de griots. C'est toujours bien fait. Donc voilà, c'était tout l'ami, je vous laisse me dire ce que vous pensez de tout ça. Voilà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. À la prochaine.